Bonjour et bienvenue à l'Église Connexion. Nous nous rassemblons pour l'instant virtuellement, comme on n'a pas encore accès à notre salle. On se rassemble chaque dimanche en tant qu'Église pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés et c'est lui qui nous a sauvés. Donc aujourd'hui, j'ai demandé de l'aide de mon merveilleux, très très beau fils, Jack. Comment ça va, Jack? Bien. Bien. Tu veux bien lire notre texte pour nous ce matin? Ça te va? Super. Donc pour commencer, Jack va lire pour nous dans la lettre aux Hébreux au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts.
Partie importante de chaque culte, c'est le moment de confession et d'assurance de notre salut. Pour le dire simplement, nous souhaitons nous rappeler à chaque fois que nous nous rassemblons que nous ne méritons pas que Dieu nous sauve. Nous nous sommes tous rebellés contre lui, nous ne serions jamais venus à lui tout seuls. Mais Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour prendre nos péchés sur lui-même, pour prendre la punition que nos péchés méritent, afin que nous soyons libres. Pour le coup, ça nous laisse parfois un peu mal à l'aise, parce que même si Dieu a fait tout cela pour nous, nous péchons encore. Ça t'arrive parfois de pécher? Oui. Bah oui, moi aussi. Et donc du coup, pour ne pas être mal à l'aise devant Dieu à chaque fois qu'on va devant lui, ce Dieu qui nous aime, alors que nous ne l'aimons pas toujours comme il faut, nous confessons nos péchés pour lui montrer que nous sommes au courant déjà de notre péché, que cela nous attriste et que nous sommes reconnaissants de son salut. Et en retour, il nous donne de nouveau l'assurance qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous aime. Jack, tu veux bien continuer de lire pour nous dans Hébreux 4, verset 14 jusqu'au verset 16? Oui. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors prenons un instant pour confesser nos péchés devant Dieu et pour lui remercier pour l'assurance de notre salut. Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant. Pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage, me lassant. Oh quel amour, oh quelle paix. Les luttes cessent, la peur se tait. Confort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, devenu cher, le parfait, l'éternel sur terre, un don d'amour et de bonté, haï par ceux qui viennent. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui, la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. À la mort de Jésus, je vis.
entre les morts, il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Je suis à lui, et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, son grand amour m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. Jusqu'à ma mort ou son retour, par la force du Christ je tiendrai. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main. Jusqu'à ma mort ou son retour, par la force du Christ je tiendrai. Sang de Jésus pourrait
pense où je vais boire. Oh, il est mon chant et le roi de mon cœur. Sois l'ombre où je me cache, la rançon de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, comme je vous ai dit la semaine dernière, nous allons faire quelque chose pendant les 3 semaines à venir que nous n'avons jamais fait avant, qu'on n'aurait jamais fait dans notre salle habituelle. Mais comme le contexte actuel nous donne cette occasion, on va en profiter. Donc du 12 juillet, donc aujourd'hui, jusqu'au 26 juillet, on va revenir sur 3 prédications passées qu'on a données à l'Église Connexion entre 2016 et aujourd'hui. Et chaque message va se porter sur un aspect ou un autre de ce qu'on appelle l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, c'est la doctrine de l'Église. On s'est dit qu'il serait bien de revenir un peu sur cette question parce que depuis le mois de mars, nous avons dû faire face à une vie d'Église sans la présence physique de l'Église. On sait que cette période a été difficile pour nous tous et donc il pourrait être facile pour nous d'oublier certains aspects de notre vie ensemble, ce que ça fait de vivre en tant qu'Église. Et du coup, on a choisi 3 messages passés qui portent sur ce sujet d'une manière ou d'une autre, afin de nous rappeler de ce que nous faisons finalement dans l'Église Connexion et pourquoi on le fait. Et on va commencer aujourd'hui par un message que j'ai donné le 23 juillet 2017 à prendre notre série sur les questions les plus fréquemment posées de cette année-là. La question du jour, c'est aussi une question que j'ai reçue récemment pour une des vidéos Connexion vous répond, et donc ça tombe très bien, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc c'est parfait. On commence très large avec cette question. Si Jésus-Christ est le même Seigneur pour tous, pourquoi y a-t-il tant d'églises différentes? Ou pour le dire autrement, pourquoi semble-t-il y avoir tellement de divisions entre les églises chrétiennes? On est enfin arrivé à la fin de notre série questions et réponses. Si vous êtes là depuis quelques semaines, vous savez que nous faisons le tour de quelques questions, les questions qui ont été fréquemment posées pendant cette année passée. Et donc là, aujourd'hui, c'est la dernière semaine, la dernière question. Et la question d'aujourd'hui, c'est une des questions qui ont été le plus souvent posées, parce qu'elle va au cœur même de ce qu'on fait ici, au cœur même de ce que c'est que l'Église. Et donc la question pour aujourd'hui, c'est,
Si Jésus est le même Seigneur pour tous, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises différentes? Alors, je prends comme une évidence que quand on pose cette question, la plupart des gens ne veulent pas dire pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'églises locales, autant d'églises locales. Parce que la réponse à cette question, c'est assez évident. S'il y avait, je pense pas que qui que ce soit dirait qu'il devrait y avoir une seule église, genre à Londres. Si vous voulez aller à l'église, il faut aller à Londres pour aller à l'église. La raison pour laquelle il y a beaucoup d'églises, évidemment, c'est pour que les gens puissent y avoir accès, que les gens puissent aller à l'église. Et donc, je pense pas que c'est ça qu'on veut dire quand on pose cette question. La plupart des gens, quand ils demandent cela, veulent dire plutôt, si Jésus est le même Seigneur pour tous, pourquoi est-ce qu'il y a autant de dénominations d'église? Donc, une dénomination, c'est une branche reconnue et autonome de l'église chrétienne. Alors, je me rends compte que ce message est risqué. Il y a beaucoup de ce que je vais dire aujourd'hui pourrait être mal compris. Et donc, je compte sur la grâce de Dieu pour faire en sorte que vous me compreniez comme je veux dire et non pas quelque chose que je veux pas dire. Mais même si la question est risquée, la réponse à cette question, je crois, va au cœur même de ce que c'est que d'être un chrétien. Si on est chrétien, on n'est pas des chrétiens satellites, on n'est pas des individus qui font tous nos trucs en tant qu'individus. On est une famille de Dieu, la famille de Dieu qui ensemble vit nos vies chrétiennes et ensemble glorifieront Dieu par notre vie. Et donc, ça, je crois que puisque l'avantage de voir la réponse à cette question est tellement grande, ça vaut le coup de le faire quand même. Le 31 octobre 1517, Martin Luther a cloué ses 95 thèses à la porte de l'église à Wittenberg pour protester contre la pratique de l'église catholique de vendre des indulgences. Des indulgences, c'était grosso modo des tickets pour pouvoir devoir faire moins de temps au purgatoire. Et la raison pour laquelle il vendait des indulgences à la base, c'était pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Donc, il y avait des raisons pour protester contre cela, de bonnes raisons. Il a eu des ennuis à cause de ça. Il a été déjà excommunié de l'Église catholique. Et 4 années plus tard, le 18 avril 1521, il se tenait devant le concile au Diète de Worms, je ne sais pas du tout si je prononce ça correctement, bref, où on avait ordonné de renoncer à sa protestation contre l'Église. Il refuse. Et selon les témoignages qui écrivaient ce qui a été dit ce jour-là, Luther a dit, je mets sur l'écran, « À moins qu'on me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. » Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide. C'était le début du protestantisme. Et une chose est restée dans l'esprit du protestantisme, c'est la liberté et parfois même la nécessité de protester. C'est pour ça qu'on s'appelle les églises protestantes. La liberté de ne pas être d'accord, de tenir à ses convictions, de dire quand il y a un problème, quand on n'est pas d'accord. Depuis les 500 dernières années qui ont écoulé, on célèbre d'ailleurs le début de la réforme protestante cette année, c'est la 500e anniversaire. Depuis ce jour-là, plusieurs branches reconnues et autonomes, dénominations du christianisme protestant, ont vu le jour, précisément grâce à cette liberté que la réforme a produite. Donc, juste quelques exemples des dénominations en France seraient l'Association Baptiste, dont nous faisons partie, les Assemblées de Dieu, les Églises d'Arbis, les Assemblées des Frères, les Communautés et Assemblées évangéliques de France, France Mission, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup, il y en a bien d'autres.
Chacun de ces groupes, qu'on appelle des dénominations, tiennent un certain nombre de convictions centrales à notre foi. On croit tous que l'homme est pécheur, on croit tous que Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, pour payer le prix de nos péchés, et que si nous plaçons en lui notre foi, nous avons le pardon de nos péchés, on est réconcilié avec Dieu et on reçoit la vie éternelle. On est tous d'accord pour affirmer ces vérités centrales de l'Évangile. Sinon, on ne serait pas des églises chrétiennes. Ce serait autre chose, mais pas véritablement chrétien. Sur ces points centraux, on est tous d'accord. Mais chacune de ces dénominations ont commencé et existe encore à cause d'un désaccord ou un autre sur une des questions secondaires de comment l'Évangile fonctionne et informe la vie de l'Église. Et donc, plusieurs chrétiens et plusieurs non-chrétiens aussi ont ressenti un certain malaise devant l'existence de tous ces groupes différents. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment unis si tous ces groupes existent? Comment est-ce qu'on peut croire ou s'attendre à ce que les autres croient à la vérité de l'Évangile si les chrétiens eux-mêmes n'arrivent pas à être d'accord sur comment ça marche? Au début, on dirait bel et bien que c'est un problème. Si Jésus est le même Seigneur sur tous, ne devrions-nous pas être tous unis sous une seule bannière, celle de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul? Le texte auquel la plupart des gens vont pour argumenter pour cette idée, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, versets 11 à 13, où Paul dit, donc je mets en haut, « En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? » Alors évidemment, la réponse à ces questions, c'est non. Ce sont des questions rhétoriques. Et donc on dirait au moins au départ que Paul serait d'accord avec ceux qui pensent que ce type de regroupement autour des convictions différentes ne devrait pas exister. Mais je ne crois pas que ce soit ça qu'il dit. Parce que le problème à Corinthe n'était pas la loyauté envers un enseignant particulier ou un enseignement particulier, mais l'orgueil, les rivalités, comme il dit. J'ai appris à votre sujet qu'il y a des rivalités entre vous. Certaines personnes méprisent les autres, elles se battent entre elles-mêmes parce qu'elles suivent Paul ou Apollos ou Pierre. Et c'est cette rivalité qui est problématique, non pas l'attachement à Paul ou à Apollos ou à Pierre. En plus, Paul va encore plus loin, un peu plus tard dans la lettre, au chapitre 4, il se décrit comme le père spirituel des Corinthiens et il les invite à imiter sa vie et à mettre en pratique son enseignement. L'auteur de la lettre aux Hébreux va dire la même chose. Souvenez-vous de vos conducteurs, de vos dirigeants, considérez le bilan de leur vie et imitez leur foi. Et donc, Paul ne dit pas que les chrétiens ne devraient pas suivre quelque enseignement que ce soit ou quelque guide humain que ce soit. Il ne dit pas que les chrétiens ne devraient pas suivre l'exemple de leurs prédécesseurs, ceux qui les ont conduits à Christ, qui les a enseignés. Au contraire, il dit que c'est une bonne chose de faire cela. Mais, malheureusement, quand on le fait, on est parfois dérouté. Ce qui se passe à Corinthe se passe aussi avec nous. Il y a des disputes, il y a de l'orgueil, il y a du mépris et des rivalités entre les dénominations parce que nous sommes encore des gens pécheurs. Et donc du coup, quelle est la solution? Dieu, est-ce qu'il nous dirait de jeter les dénominations à la poubelle? Je ne pense pas. Et pour expliquer pourquoi, j'aimerais vous inviter à aller avec moi à la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 14. Donc c'est sur la page 741, je crois, dans les Bibles de l'Église. Romains chapitre 14, on va commencer à partir du verset 1. Il faut bien garder en tête que le contexte de Romains 14 n'est pas le contexte des dénominations. Okay? Les dénominations en tant que qu'on les voit aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Dans le contexte de Romains 14, il s'agit de deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un sujet quelconque, deux chrétiens individuels. Mais les principes que Paul donne ici sont tout autant applicables de manière collective en tant que corps de Christ que de manière individuelle. Et j'espère que vous allez pouvoir voir cela au fur et à mesure qu'on avance. Lisons ensemble à partir du verset 1. « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions.
L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qui tienne bon ou qui tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours et un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Et donc ici, on a un exemple de quelque chose qui arrive encore aujourd'hui. Un chrétien qui pense que manger de la viande est mauvais. Aujourd'hui, c'est souvent à cause des soucis par rapport aux cruautés des animaux. À l'époque, c'était probablement à cause de la peur qu'on mange une nourriture impure. Sans faire exprès, on ne sait pas d'où vient cette nourriture. Elle a été sacrifiée aux idoles, des choses comme ça. Donc, il y a des raisons diverses et variées. Le chrétien mûr dans sa foi, il sait mieux. Il sait que puisque Jésus a accompli la loi, il nous a libérés de manger ce qu'on veut. Aucune nourriture n'est impure en elle-même. Mais les deux chrétiens, ces deux hommes, n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Un autre exemple que Paul donne dans ces mêmes versets, c'est celui des jours, au verset 5. Un chrétien pense qu'un jour est particulièrement important, probablement le sabbat, alors que l'autre pense que tous les jours sont tout aussi importants les uns des autres. C'est pas qu'un jour est plus important, c'est qu'ils sont tous importants. Alors, qu'on comprenne bien, le but de ce texte n'est pas la viande, c'est pas de parler de la viande ou des jours, mais plutôt de dire qu'une personne ne devrait pas juger une autre si elle n'est pas d'accord. Je ne peux pas te mépriser à cause de ce que tu refuses de faire, et tu ne peux pas me mépriser à cause de ce que j'accepte de faire. Verset 5, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Donc si tu es convaincu que manger de la viande est mauvais, la solution est simple, n'en mange pas. Personne ne t'oblige à le faire, donc si tu es convaincu que ce n'est pas une bonne chose, ne le fais pas. Si tu es convaincu que la viande est une bonne chose que Dieu nous donne, alors vas-y, mange bien et sois reconnaissant pour la liberté que tu as en Christ. Écoute ta conscience et fais ce qu'elle te dit de faire, que chacun ait une pleine conviction dans son esprit. Mais ne méprise pas ton frère si lui n'est pas d'accord avec ce que ta conscience te dit. Il va encore plus loin au verset 6. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Donc, Paul prend comme une évidence, et il est important de le voir, il prend comme une évidence que ces deux chrétiens écoutent leur conscience et qu'ils font ce qu'ils font parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font est juste. Alors, il faut qu'on soit bien clair sur un point. Il y a des choses que la Bible dit clairement, très clairement, de ne pas faire. Des choses qui sont dangereuses pour nous, qui vont à l'encontre du caractère de Dieu et de sa volonté pour nous. La Bible est très claire. Et ça peut arriver que quelqu'un voit bien ce que la Bible dit, mais trouve une manière de contourner ce commandement, tout simplement parce qu'il a envie de le faire quand même. Il voit ce que la Bible dit, ne fais pas ça, c'est dangereux pour toi et ça va à l'encontre de ma volonté pour toi. On voit ça et on dit, mais j'ai tellement envie. Et donc on se trouve des justifications pour faire quand même ce qu'on a envie de faire. On fait ça tous les jours, mais juste pour donner deux exemples assez extrêmes qu'on voit souvent ou qui sont souvent des sujets de discussion dans l'Église. La Bible dit clairement qu'un embryon n'est pas un simple tas de cellules, mais un être humain. La Bible dit clairement que le plan de Dieu pour les relations amoureuses, c'est que ce soit entre un homme et une femme. Alors, c'est une chose, c'est juste deux exemples, hein, on peut en parler après. C'est une chose de ne pas savoir.
ces choses-là. Il est absolument possible, j'ai déjà fait l'expérience de parler à un nouveau chrétien qui est nouveau à la foi, qui n'a pas beaucoup lu sa Bible, et puis de lui dire quelque chose comme ça, il fait « Mais ah bon ?» Genre, on peut simplement ne pas être au courant de ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'on lit la Bible, c'est pour ça qu'on étudie et qu'on apprenne. Mais c'est tout à fait une autre chose de savoir très bien ce que la Bible dit et de refuser de l'accepter parce que ça va à l'encontre de ce que moi j'ai envie de faire. Ou parce que ça va à l'encontre de la culture dans laquelle je vis. Ou parce que ça va à l'encontre de mon raisonnement propre, la logique que j'ai. Qu'on soit bien clair, ça, ce n'est pas ce qui se passe dans ce texte. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Dans ce cas, les deux chrétiens sont convaincus que ce qu'ils disent, c'est ce que la Bible enseigne et dont ils font ce qu'ils font pour le Seigneur. Dans les deux cas, ils font de leur mieux pour honorer le Seigneur et l'ultime autorité n'est pas l'autre personne, mais Dieu. C'est devant leur maître qu'ils restent debout ou qu'ils tombent. Alors je ne peux pas mépriser mon frère comme si moi j'étais l'autorité ultime sur le bien et le mal. Malgré ces désaccords, je suis appelé à humblement aimer mon frère, à l'édifier et à le servir. C'est ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'individu. Mais j'espère que vous voyez l'importance de ce texte par rapport à notre question d'aujourd'hui. Dans les dénominations, la même chose a lieu, sauf sur une échelle bien plus grande. Et donc, j'aimerais du coup essayer de tirer quelques principes que Paul nous donne dans ce texte pour nous aider à naviguer la situation des dénominations. Donc, principe numéro 1, nous serons parfois en désaccord. Il y a deux choses dans le texte qui sont vitales à voir. D'abord, que les deux chrétiens que Paul mentionne ici sont bien des chrétiens. Okay? Il avoue que peut-être une des personnes a une foi qui est plus faible ou moins mûre que l'autre, mais il ne dit jamais que sa foi n'est pas réelle. Il affirme bien que les deux hommes, les deux personnes sont tous les deux des chrétiens. Ensuite, les désaccords dont il est question ici sont sur des sujets secondaires. Manger de la viande, si on peut le faire ou non, l'importance d'un jour ou d'un autre. Okay, donc, pensez à un cible. Okay? Au centre de la cible, il y a l'Évangile. Cette nouvelle que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'Évangile, c'est non négociable. Si on nie l'Évangile, on n'est pas des chrétiens. S'il y a une église, une dénomination qui dit, par exemple, que Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu, ou que Dieu n'a pas vraiment envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, ce n'est pas une église chrétienne. Ce n'est pas une dénomination chrétienne. Le centre de la cible, l'Évangile, est absolument non négociable. Mais il y a un anneau en périphérie de ce centre qui n'est pas l'Évangile en lui-même, mais qui le touche quand même. Comment l'Évangile fonctionne ? Par exemple, est-ce que Dieu nous prédestine au salut ou est-ce qu'il n'a fait que choisir ceux qui le choisiraient un jour? La prédestination ou non, c'est un sujet qui est important, mais pas central. Elle est importante, mais secondaire. Il touche à l'Évangile, et on va revenir dessus tout à l'heure. Il touche à l'Évangile, mais il n'est pas en lui-même au centre de l'Évangile même. Après cela, il y a encore un autre anneau. Ce à quoi la vie chrétienne devrait ressembler. Est-ce que les chrétiens ont le droit de boire de l'alcool? Aux États-Unis, c'est un grand débat. Est-ce que les chrétiens ont le droit de manger certains aliments, de dire certains mots? Ces sujets touchent encore moins à l'Évangile et donc sont encore plus secondaires. Et ainsi de suite. Okay? Les vrais chrétiens qui ont une foi réelle et sincère seront d'accord. Forcément, si on est des chrétiens, on est nécessairement d'accord sur le sujet au centre, sur l'Évangile. Mais même si nous avons une foi réelle et sincère, on peut très bien ne pas être d'accord sur les autres sujets environnants. On est d'accord sur la base de l'Évangile et on a accepté cet Évangile par la foi en Christ, mais on n'est peut-être pas d'accord sur les autres sujets. Et ça va. C'est OK. Nos désaccords sur ces sujets secondaires ne veulent pas dire qu'on n'est pas vraiment des frères et sœurs.
ne veut pas dire qu'on n'est pas vraiment réconcilié avec Dieu ou les uns aux autres par la foi en Christ. Donc, nous aurons parfois des désaccords tout en étant des chrétiens réels et sincères. Principe numéro 2. Affirmer une pleine conviction est bon et nécessaire. Alors, c'est un peu la face à ce pile du premier principe. Verset 5. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Donc, l'Église Connexion est une implantation lancée à partir de l'AEEBLF. On adore les acronymes en France. C'est l'Association des Églises Évangéliques Baptistes de langue française. C'est pour ça qu'on dit AEBLF, ou l'Association Baptiste. On fait partie de l'association parce qu'on est d'accord en tout point avec leur confession de foi. En plus, on a notre propre confession de foi à l'intérieur de l'Église Connexion, qui n'est pas du tout en opposition à celle de l'Association Baptiste, mais qui va plus en détail, qui décrit de manière un peu plus précise ce que nous croyons en tant qu'Église. Et donc, j'affirme avec joie, nous tenons à notre dénomination parce que nous sommes convaincus que ce que notre dénomination enseigne, c'est ce que la Bible enseigne. On croit que quand on dit ces choses dans la confession de foi, c'est parce que c'est comme ça que la Bible le dit. Quand on devient membre de cette église, on fait un cours de membre pendant lequel on fait le tour de la confession de foi de l'église Connexion et on demande aux membres, si vous voulez devenir membre, d'être d'accord sur ces points, sur les points centraux de la confession de foi. Qu'on soit convaincu que ces choses-là sont la vérité, que c'est ça que la Bible enseigne. Il n'y a rien de mauvais à affirmer cela, à affirmer avec certitude et avec force que nous croyons que la Bible dit ça. En fait, Paul dit que ce serait une erreur même de faire quoi que ce soit dans l'Église sans le croire, sans croire que c'est vraiment ça que la Bible enseigne. Il dit bien que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Et un peu plus loin, un peu plus tard dans le chapitre, verset 24, il dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Donc si on n'est pas intimement convaincu que c'est comme cela qu'on devrait faire, on ne devrait pas le faire. Alors, on dit souvent qu'affirmer une telle conviction, de prétendre connaître la vérité, ça crée de l'arrogance. Et malheureusement, c'est parfois vrai. Ça peut arriver. J'ai grandi dans une dénomination pentecôtiste où on m'a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises quand j'étais petit, que les baptistes à côté n'étaient pas vraiment des chrétiens, n'aimaient pas vraiment Jésus parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur vision de comment on travaille ou comment fonctionne le Saint-Esprit. Mais c'est là où notre texte est tellement important. C'est là où c'est un tel réveil pour nous. Le fait que l'arrogance soit un risque ne veut pas dire que du coup, au nom de la tolérance, on n'affirme plus rien. Le fait que l'arrogance soit un risque ne veut pas dire qu'au nom de la tolérance, on n'affirme plus rien. Paul est très clair que non seulement il est sain d'affirmer une conviction claire, il est nécessaire pour être fidèle, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Je connais un gars en Angleterre qui croit qu'on devrait baptiser les bébés. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je crois que la Bible nous appelle à baptiser les gens une fois qu'ils ont professé leur foi en Christ. Alors, l'un de nous a tort. Je pense que c'est lui. Il pense que c'est moi. Et on est tous les deux, mais profondément convaincus que l'autre a tort. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on a deux personnes qui ont des avis totalement opposés et qui sont tout autant convaincus l'un que l'autre personne a tort? Eh bien, principe numéro 3, dans le corps de Christ, les désaccords sont une occasion pour affirmer notre unité. Paul dit au verset 3 que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait car Dieu l'a accueilli. Nous devons tenir à nos convictions.
Absolument. Il est important de savoir ce qu'on croit et d'affirmer avec confiance. Je crois que la Bible dit ça. Mais ces convictions que nous sommes appelés à avoir ne doivent jamais exister seules. La force de conviction à laquelle Dieu m'appelle va toujours de pair, toujours, avec de l'humilité à l'égard de mon frère qui n'est pas d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que même s'il n'est pas d'accord avec moi, Dieu l'a accueilli. Même s'il a tort, Dieu l'a accueilli. Que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qu'est-ce qu'on doit faire, mon ami et moi? Lui, il pense qu'on devrait baptiser des bébés, moi non. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je l'aime comme Christ m'a aimé, je le sers comme Christ m'a servi, et je prouve ainsi que notre unité en Christ est plus forte que notre désaccord. Alors, il faut quand même dire quelque chose à ce point. Il y a un petit point dans, où les dénominations et les individus, c'est pas tout à fait pareil. Mon ami et moi, on est proches. J'aime beaucoup cet homme. Il est très sincèrement une de mes personnes préférées au monde. À chaque fois qu'on passe du temps ensemble, on s'édifie mutuellement. On est tous les deux reconnaissants du temps qu'on passe ensemble. Mais on ne pourrait pas travailler ensemble en tant qu'anciens dans une même église. Pour une raison très simple et pratique, nous ne sommes pas d'accord sur comment le baptême devrait fonctionner. Et donc, si on travaillait ensemble en tant qu'anciens dans la même église, personne ne se ferait baptiser. Il faut que les anciens, les dirigeants de l'église, soient d'accord sur ce qu'on fait dans une situation comme cela. Certains sujets sont d'une importance secondaire, mais sont assez proches du centre de la cible que si on n'est pas d'accord sur ce sujet, on ne fera plus rien dans l'église. Ou alors, on créera des dégâts monstrueux. Imaginons, cette église a trois anciens, moi, Paul et Arnaud. Imaginons que moi et Paul, par exemple, on était convaincus sur la vérité de la doctrine, comme on dit, calviniste, que c'est comme cela que la Bible enseigne sur le salut, et que Arnaud ne l'était pas. Okay? En l'occurrence, on est tous les trois absolument d'accord là-dessus. On tient à une doctrine calviniste dans cette église, mais imaginons que Arnaud n'était pas d'accord avec cela. Qu'est-ce qui se passerait? Soit on enseignerait l'évangile en disant le strict minimum nécessaire pour faire comprendre que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et donc du coup, on n'irait jamais en profondeur dans le sujet pour voir comment ça marche alors que la Bible en parle beaucoup. Soit, quand moi et Paul prêchent, on dirait une chose, et quand Arnaud prêche, il dirait une autre chose. Il y aura une guerre de prédication, une guerre depuis le pupitre qui créerait exactement ce genre de mépris et de rivalité dont Paul parlait dans 1 Corinthiens 1. Il faut qu'on soit d'accord sur ce sujet, même s'il est secondaire, parce que sinon, l'Église ne va pas fonctionner comme elle doit fonctionner. Des convictions différentes peuvent exister dans une même dénomination, mais là où elles sont trop nombreuses ou trop centrales à l'Évangile, il sera tout simplement impossible d'accomplir notre appel ou de prêcher l'Évangile fidèlement. Et donc, étant donné cette réalité-là, il n'y a que trois possibilités. Soit on part en guerre contre tout le monde qui n'est pas d'accord avec nous, et on essaie d'établir une sorte de nouvelle église catholique, où si on n'est pas d'accord, on n'existe pas, qu'on soit tous absolument d'accord sur tous les points. Soit tout le monde fait l'église un peu chacun dans son coin, et de manière indépendante, sans aucune redevabilité, pour assurer que le pasteur ne devienne pas le gourou qui manipule les gens de l'Église, soit on a des dénominations qui ne sont pas d'accord sur les sujets secondaires, mais qui sont unis sur les points centraux de l'Évangile. C'est pour cela que je crois que les dénominations ne sont pas seulement nécessaires, juste de manière pratique, mais sont bonnes. Bonne pour nous. Non seulement les dénominations nous donnent cette possibilité de redevabilité, dans le sens où vous savez que moi j'ai des comptes à rendre à quelqu'un d'autre. Que si jamais il y a un grand problème avec moi, déjà vous avez Paul et Arnaud, vous pouvez aller voir les anciens. Si vous avez un problème avec nous trois, vous pouvez aller à l'association baptiste.
qui aurait un mot à dire, qui aurait quelque chose à faire là-dedans. Il y a une redevabilité qui vient avec cela. Mais en plus, avec les dénominations, nous avons une occasion merveilleuse de montrer au monde notre unité malgré le désaccord. Pensez aux politiques, aux débats politiques dans notre société. Les deux côtés vont dire qu'ils sont unis dans leur désir du bien commun du pays. Est-ce que c'est ça qu'on voit quand on regarde les débats télévisés? Parfois, peut-être, mais la plupart du temps, c'est pas trop ça quand même. On voit beaucoup d'animosité, beaucoup de ridiculisation, beaucoup de disputes et de rivalités. En gros, le message implicite qui est envoyé, c'est que c'est nous contre eux. Moi contre vous. Mais puisque nous sommes unis en Christ, un baptiste peut apparaître avec un presbytérien, un pentecôtiste et un anglican. Ils peuvent être honnêtes sur leurs désaccords, qui sont réels et qui sont là, tout en célébrant leur unité en Christ. Le réseau d'implantation d'église dont nous faisons partie, Acte 29, a eu une conférence aux États-Unis cette semaine avec des dizaines de dénominations représentées, des dizaines de pays différents où ils sont pas d'accord sur beaucoup de sujets secondaires mais qui ensemble louent le Seigneur et s'édifient mutuellement dans notre mission identique d'aller dans tout le monde faire des disciples. Frères et sœurs, c'est ça le but de l'Évangile, de former une seule épouse de Christ à partir de plusieurs membres. Alors dans la Bible, c'est vrai, parce que les dénominations n'existaient pas comme cela à l'époque, les différences qu'on voit sont pour la plupart culturelles. Dieu va unir tous ses enfants de toutes les nations du monde qui apporteront avec eux la beauté de leur culture distincte et les placeront aux pieds de Christ en louange envers lui. Nos cultures sont différentes, nos styles de vie sont différents, notre vision du monde est différente. Et même si on vient tous de la même culture, les gens sont différents. On est juste différents les uns des autres. Et donc, inévitablement, on ne va pas voir tous les points de doctrine de la même manière. Et la bonne nouvelle, c'est que la solution que Dieu nous a donnée dans sa providence, ce n'est pas des disputes sans fin pour pouvoir le régler. Nous n'avons pas besoin d'être nécessairement d'accord sur absolument chaque point de doctrine secondaire, parce que si nous sommes fidèles, alors ce que nous le faisons pour Christ, en son honneur, et nous rendrons des comptes à Christ seul. Que ce sera merveilleux après le retour de Christ, quand tous les chrétiens, à travers toute l'histoire humaine, seront présentés à Christ comme son épouse, malgré les désaccords qu'ils avaient sur les sujets secondaires pendant leur vie. Que ce sera merveilleux de voir ce qui est bon chez les baptistes, ce qui est bon chez les pentecôtistes, ce qui est bon chez les presbytériens, unis sous l'autorité du Seigneur Jésus et rendus parfaits. Alors, on n'y est pas encore. On n'est pas encore arrivé là, on est encore des pécheurs. Et donc, jusqu'à ce jour, Dieu, dans sa grâce, nous a donné un moyen pour rester unis les uns aux autres, tout en restant fidèles à nos convictions. De croire sincèrement que nos frères et sœurs pentecôtistes, ou presbytériens, ou anglicans, ont tort. Nous croyons qu'ils ont tort sur certaines choses, mais nous croyons tout aussi fortement qu'ils sont quand même nos frères et nos sœurs, qu'ils sont unis à Dieu et donc unis à nous aussi. Dieu, dans sa grâce, nous a donné ce moyen de pouvoir accepter nos différences tout en nous aimant mutuellement, nous servant mutuellement et priant mutuellement les uns pour les autres avec sincérité et humilité et de nous réjouir de l'œuvre que Dieu fait en eux. C'est une image juste merveilleuse du plan de Dieu pour l'humanité. Il rassemblera une grande multitude de personnes différentes, des cultures différentes, dans une seule famille, sous une seule tête, Jésus-Christ. Il présentera l'Église à son Fils comme son épouse, sans tache et purifiée et joyeuse dans leur union avec lui. Donc les dénominations ne sont pas des ennemis à son but. Si on est fidèle
Si nous qui sommes dirigeants des églises, des dénominations et des chrétiens dans des dénominations vivent leur vie fidèlement, mettent en pratique ce que Paul nous dit de faire dans Romains 14, si nous faisons cela, du coup les dénominations sont un moyen pour prouver par l'unité que nous avons malgré nos différences que le plan de Dieu de tout rassembler sous l'autorité de Christ va réussir. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci pour la vérité claire que tu nous as donnée dans ta parole. Merci, Père, de nous avoir écrit noir sur blanc ce que tu nous dis dans ta parole, ce qui est la vérité. Père, nous sommes aujourd'hui attristés par le fait que même si ton esprit est le même pour tous, même si Jésus est le même Seigneur pour tous, même si nous avons tous la même Bible, que nous ne sommes pas d'accord sur ces sujets, qu'il y a certainement plusieurs d'entre nous qui ont tort. Nous sommes attristés par ce fait, par cette réalité. Mais Père, merci de ne pas avoir fait comme si ces différences n'aurait pas lieu. Merci de nous avoir donné un texte comme Romains 14 qui affirme bien que puisqu'on est humain, puisqu'on est pécheur encore, qu'il y aura des différences d'opinion, il y aura des désaccords. Merci de nous avoir donné une Bible réaliste. Je prie, Père, que tu nous donnes, face à ce que tu nous dis par l'apôtre Paul, que tu nous donnes d'accepter nos désaccords avec patience, avec humilité, avec amour. Donne-nous, Père, une pleine conviction et donne-nous d'affirmer nos convictions avec confiance et avec force et avec courage. Mais que ce courage et cette confiance aillent toujours de pair avec l'humilité et l'amour que nous avons pour nos frères et nos sœurs. Donne-nous, Père, de montrer au monde une image de l'unité que nous avons. Pas juste l'image, la réalité de l'unité que nous avons en Jésus-Christ. Donne-nous, Père, par notre unité dans le désaccord, notre unité au milieu des différences d'opinion. Donne-nous, Père, de montrer au monde cet amour incompréhensible qui fait que des millions de personnes, des millions d'endroits différents, de cultures différentes et de croyances d'opinions différentes puissent être rassemblés sous l'autorité du Messie, être présentés à Christ comme son épouse. Donne-nous, Père, d'être un bon témoignage, non seulement vis-à-vis des non-chrétiens, mais aussi vis-à-vis de nos frères et sœurs dans d'autres églises, dans d'autres dénominations. Que nous tenions fort à nos convictions, mais qu'on le fasse avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de douceur, parce que c'est ainsi que tu as fait avec nous. Quelle joie tu vis en moi.
joie, tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Il y aura quelques annonces avant de terminer. D'abord, nous avons vu un aspect de notre Église aujourd'hui, que nous faisons partie de l'Association Baptiste en France. Si vous voulez aller un peu plus loin dans ce sujet, en savoir plus sur d'autres aspects distinctifs de notre Église, vous pouvez consulter la série Distinctifs, ça s'appelle comme ça, sur notre site d'Église, www.église-connexion.com. Les autres annonces de cette semaine, comme chaque dimanche, sont sur le site de l'Église aussi, à l'adresse de l'église /dimanche. Vous y trouverez tout ce que je vais vous dire maintenant et surtout les liens qu'il faut pour pouvoir faire partie de ce qui se fait. Il y a un Zoom à votre disposition après le culte. On mettra le lien sur le site de l'église ou alors si vous regardez sur YouTube, vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de la vidéo juste en bas ici. Allez dans la salle Zoom pour discuter avec vos frères et sœurs en Christ. Pourquoi pas déjeuner ensemble, déjeuner chacun en même temps devant les écrans, mais pour nous rappeler un peu que cette vidéo n'est pas l'Église, mais l'Église c'est surtout la vie qu'on vit ensemble autour de l'Évangile. Si vous êtes nouveau à l'Église et vous voulez savoir comment vous intégrer un peu mieux dans l'Église, n'hésitez pas à prendre contact avec Steve, notre diacre d'intégration, et il peut répondre à toutes vos questions. Vous pouvez contacter Steve à contact@eglise-connexion.com. Les liens pour les groupes de communauté sont disponibles sur le site de l'église aussi. Les groupes de communauté sont des plus petits groupes qui se rencontrent pour l'instant via Zoom pendant la semaine pour discuter ensemble du message du dimanche, pour voir le texte qu'on va voir dimanche prochain et pour partager et prier les uns pour les autres. Et si vous êtes nouveau à l'église et vous avez du mal à savoir comment rejoindre un groupe ou quel groupe rejoindre, il y a un groupe de communauté dédié aux nouveaux arrivés à l'église. Il a lieu le jeudi soir à 20h. Le lien pour la salle Zoom de ce groupe se trouvera tout en haut de la liste sur le site de l'église ou alors dans le descriptif sur YouTube. Alors une dernière annonce, et je vais sûrement répéter cette annonce pendant les 3 semaines à venir, donc désolé si vous l'avez déjà entendue. Je sais que vous vous êtes posé la question sur le sujet du déconfinement et la reprise des rassemblements de l'église. L'Espace Saint-Martin, le lieu où nous louons notre salle, aux dernières nouvelles, ne rouvre pas avant fin septembre. Et donc on a demandé à une équipe de personnes d'étudier la situation et d'organiser un plan d'action dans lequel les gens pourraient s'inscrire pour se regrouper en petit nombre dans des logements des uns des autres à Paris afin de suivre le culte ensemble. Ils ont étudié la situation et ils nous ont donné leur réponse qui sera certainement décevante pour certains. Étant donné la situation sanitaire et les mesures mises en place par le gouvernement, faire ce que je viens de décrire, organiser des rassemblements dans des appartements, est simplement impossible. Évidemment, nous ne pouvons pas vous empêcher de faire ce que vous voulez en tant qu'individu, mais en général, les logements parisiens dans lesquels nous vivons sont trop petits pour faire même des petits rassemblements en respectant les mesures de sécurité. Je tiens quand même à remercier l'équipe qui a quand même dû travailler dur pour arriver à cette conclusion. Vraiment, merci beaucoup. Nous pouvons communiquer les conclusions officielles de l'équipe sur le Slack de l'église et sur WhatsApp. Et je sais quel sera le ressenti de certains d'entre vous à cette nouvelle, et croyez-moi, je comprends parfaitement, nous les anciens, on ressent la même chose. Mais même si la situation actuelle, les mesures de sécurité rendent la vie de l'église extrêmement compliquée, elles ne la rendent pas impossible. Le gouvernement ne nous persécute pas, il n'interdit pas le culte religieux et les mesures de sécurité en place, même si elles sont très strictes, voire trop pour certains, elles sont là pour notre bien, pour la sécurité et la sécurité de la, pour notre sécurité et la sécurité de la société en général. Du coup, on travaille pour un plan B. On a des possibilités et on saura dans quelques temps lesquelles de ces possibilités seront genre possible. Et donc, on vous tiendra au courant de tout cela. Il faut savoir que j'enregistre cette annonce le 9 juillet. Et donc, les choses changeront peut-être entre maintenant et la prochaine fois que j'aurai l'occasion de vous parler. Entre-temps, rien n'empêche que les gens de l'église se retrouvent en tant qu'individus, comme vous faites déjà et comme tous les Parisiens le font, en respectant les mesures de sécurité. Mais on se rend compte que cela est plus facile pour certains que pour d'autres. Et nous ne voulons surtout pas que les gens soient laissés de côté ou isolés. Et donc, si vous êtes seul et vous souhaitez voir d'autres gens de l'église, mais vous n'avez pas pu le faire jusqu'ici pour une raison ou une autre,
S'il vous plaît, prenez contact avec Steve à contact@eglise-connexion.com et nous ferons tout notre possible pour vous mettre en relation avec quelqu'un de l'Église afin que vous ne soyez pas isolé. Nous avons besoin de nos frères et sœurs en Christ et même dans des situations aussi compliquées que celle-ci, nous pouvons vivre la vie de l'Église ensemble. Alors cela demande beaucoup plus d'efforts, mais nous pouvons faire ces efforts-là. Et je suis persuadé que puisque Dieu est souverain sur son Église, il fera en sorte que cette expérience, ces efforts que nous devons faire, conduiront à notre bien, à notre maturité en Christ et à sa gloire. Et pour terminer, je vous laisse avec ces paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, versets 1 à 6. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit à travers tous et il habite en nous tous. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Restez dans la salle Zoom si vous pouvez, sinon à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Dude, you did it. Good job.